Le buste et les membres inférieurs ne font qu'un. Ne coupez pas le mouvement à la taille. Ne concentrez pas votre énergie sur l'extérieur de l'avant-bras droit afin d'éviter d'exagérer le mouvement du bras et de l'épaule entraînant des mouvements latéraux parasites du buste et en négligeant la vitalité des jambes. Prenez le temps de dessiner clairement avec le bras droit un gros ovale sans à-coups. Nous allons pouvoir à présent pratiquer le mouvement en temps réel, à droite et à gauche.